FC Mobile en blanc et FC Moussicro en bleu, c'est l'affiche de la finale du tournoi de la réconciliation et de l'émergence de Ouangoulou-Dougou. Ces deux équipes qui se connaissent bien vont gratifier le public d'un bon spectacle. FC Moussicro, plus entreprenant, va trouver la faille en première période en ouvrant le score. 10 minutes plus tard, c'est encore Moussicro qui va scorer et atteindre la mi-temps sur le score de 2-0. En seconde période, FC Mobile va réduire le score. Cette réduction du score ne va pas ébranler FC Moussicro. Cette équipe remporte donc le trophée sur la marque de 2-1. Le parrain du tournoi, ainsi que les élus et cadres de Ouangoulou-Dougou, la ville aux deux frontières, saluent l'initiative des organisateurs. Ce soir-là, je suis un homme heureux, je suis un homme comblé, parce que l'objectif de ce tournoi, c'était de faire plaisir à la jeunesse. Et vous pouvez le constater, la jeunesse est en joie. La jeunesse est heureuse, et moi je suis d'autant plus heureux que je vois cette jeunesse très heureuse. En tout cas, bravo à tous. Je sais qu'à partir de maintenant, nous allons nous mettre ensemble, les cas du département de Ouangoulou, pour former une équipe de Ouangoulou pour pouvoir compétir à de hautes compétitions. Les participants se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition.